Grégory Chatonsky, donc l'artiste qui est présenté dans ce lieu, a l'habitude d'aborder dans son œuvre la thématique de l'extinction humaine et de proposer des projections dystopiques qui nous emmènent, nous, spectateurs, à nous interroger sur notre présent. Ici, l'installation qui s'intitule « Je ressemblerai à ce que vous avez été trois » nous propose d'entrer comme dans un data center avec une machine à l'intérieur qui essaie de rêver la Terre puisque l'espèce humaine a disparu. Et pour rêver cette Terre, pour se souvenir de ce qu'elle a été, cette machine se sert des milliards et des milliards de données qu'on a laissées sur le réseau, donc des données textuelles ou visuelles, qui vont alimenter une machine, une intelligence artificielle, qui va essayer de, en tout cas, qui va être capable de créer des images, de créer des sons qui ressemblent à des sons que l'espèce humaine a connus, mais qui ne sont pas forcément les originaux. Et donc ces machines, malgré la disparition de l'espèce humaine, essaient tant bien que mal de reconstituer ce qu'était la Terre. Et finalement, avec cette reconstitution des fois assez étrange, créent une nouvelle Terre. Et donc, pour vraiment vivre l'expérience de cette œuvre qui est très immersive, rendez-vous à la résidence des Fauvettes jusqu'au 8 août.